je m'appelle Mégane, j'ai 27 ans, je suis angevine. J'ai fait des études de tourisme et d'événementiel et je suis désormais, depuis un an, gérante de la friperie Tianguis. La friperie Tianguis est une friperie itinérante à bord d'un camion Peugeot J7 que j'ai restauré et réaménagé en espace boutique. L'ensemble des produits sont des articles de seconde main pour une clientèle mixte et adulte qui viennent des Pays de la Loire. C'est-à-dire que je travaille uniquement en circuit court. J'ai voulu aussi créer une entreprise qui avait du sens pour moi et des valeurs. J'adore les friperies, j'adore la mode. Du coup, c'est un nouveau mode de consommation plus responsable et je souhaite aussi sensibiliser mon entourage et mes clients à consommer différemment et de seconde main. L'idée m'est venue un jour de combiner mes deux expériences significatives à l'étranger, notamment une première expérience au Mexique où j'ai découvert des marchés qui s'appellent les tianguis. Ce sont des marchés artisanaux où on vend également de la seconde main. Et le concept d'itinérance que j'ai pu vivre en Australie lors d'un voyage d'un an dans ce pays en van. Je suis donc venue exposer avec mon camion au sein d'Azartis, rencontrer les collaborateurs. Nous avons en effet des valeurs communes qui sont l'échange, le partage, l'écoute. J'ai pu proposer mon concept, les rencontrer et leur faire découvrir mon univers. Je remercie l'ensemble du groupe d'Azartis de m'avoir accueilli au sein de leurs locaux, d'avoir su être présent à mes côtés, de venir me rencontrer et d'échanger sur ces valeurs communes.